petit peu à la bourre. Coucou, coucou. Alors, je m'installe. Coucou, Christine. M'installe. Je suis un peu à la bourre. Comment vous allez? Coucou, Sylvie. Bon, ça va. Alors. Ouh là là, ces journées où on court. Tout est prêt, mais rien n'est installé. Alors, je prends tout. Portée de main. Bonjour, bonjour. Alors, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Bonjour, Siana, Joseph. Bonjour, Vanessa. Alors, aujourd'hui, bon, je vais vous montrer quelque chose. Bonjour, Marilyn. Pense que je vais éternuer. Chatouille. Je vous montre un petit truc. Hop. Je vous montre. Coucou Dominique, vous allez voir à l'envers déjà. Là, vous le voyez à l'envers. Je suis en mode miroir. Hein. Mais voilà. Voilà mon livre de chevet depuis quelques jours. Ouh là là, ouh là là. Ça s'excite. Je les attends. J'attends vos catalogues pour celles mes clientes titulaires, celles qui ont l'habitude de commander souvent chez moi, elles le reçoivent automatiquement. Si l'une d'entre vous, vous n'avez pas de démo et que vous seriez intéressé pour recevoir un catalogue, n'hésitez pas, envoyez-moi vous avez mon adresse mail, envoyez-moi un mail, c'est plus facile que les messages privés, il y a des fois les messages privés, on ne se retrouve pas. Je vais me présenter, parce qu'il y a quelques noms là que c'est la première fois que je vois. Donc je m'appelle Steph Portra, je suis démonstratrice pour Stampin' Up, donc en Saône-et-Loire. Donc, Saône-et-Loire, c'est-à-dire tout proche de Mâcon, dans le département 71, et à la limite de l'Ain, dans le 01. Si jamais, voilà, je fais des ateliers chez moi, je fais des ateliers chez l'hôtesse, je fais des lives le mercredi. Si l'une de vous est intéressée par un live ou par, pour découvrir Stampin' Up et que vous n'êtes pas très loin, appelez-moi. Si vous voulez découvrir alors que vous êtes loin, ben voilà, par un message, par un mail ou un message privé. Et il y a toujours moyen de vous renseigner un maximum. Donc, tous mes lives sont en particulier, ouais, on va dire, allez, 99,8% des produits Stampin' Up. D'accord? Je vous dis 99,8% parce qu'il y a des fois, je me sers de ma petite perforeuse pour passer un ruban. Coucou Nadine. Et elle n'est plus au catalogue. Bien dommage. Après, voilà, quand je fais des boîtes, des albums, eh ben, j'essaie un maximum de fermer par un ruban. Parce que chez Stampin' Up, comment? Il y a que ça comme pour fermer. Il n'y a pas de scratch, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas. Voilà. Donc j'essaye de vous montrer un maximum de produits qui sont en cours dans les deux catalogues de chez Stampin' Up. En cours. C'est-à-dire qu'on a le catalogue annuel et le catalogue saisonnier. Il y a toujours deux catalogues en cours chez Stampin' Up. Là, vous pourrez découvrir. Bonjour Sylvie. Vous pourrez découvrir le nouveau code hôtesse du mois d'avril pour s'il y en a qui veulent passer une commande
par ma boutique en ligne. Si votre commande ne fait pas 200 €, vous rentrez ce code le mois d'après, je vous envoie une petite enveloppe de remerciement. Si votre commande, elle fait 200 €, ne le rentrez pas, vous choisissez vos petits cadeaux de remerciement directement, vous, dans les catalogues. Vous avez le droit de choisir dans les deux catalogues. Il y a toujours des petites promos, hein, les nouvelles collections que vous pouvez découvrir. Mais vous avez le droit. Allez visiter stampinup.com, allez visiter et vous voyez les promos en cours. Vous voyez beaucoup de choses quand même. N'hésitez pas à aller sur le site de Stampinup. Qu'est-ce que je veux dire? Bonjour Corinne. Que vous dire de plus? Bon, alors le catalogue annuel, ben, il arrive pour les clientes, il arrive le 3 mai, il me semble. Alors, oui, il arrive le 3 mai. D'accord. Donc, je pense que si ma préparation du catalogue annuel est fait, mes clientes le recevront courant. À partir du 25 avril. Bonjour Francette, bonjour Geneviève. Vous avez le catalogue saisonnier donc, qui est encore valable, d'accord, jusqu'à fin juin, donc ne l'oubliez pas celui-ci. Et puis, que vous dire de plus, si jamais l'une de vous veut rentrer dans l'aventure Stampin' Up, eh ben, appelez-moi, je vous en dirai un peu plus. Ben voilà, que vous dire de plus, ben voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, coucou Christelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Je suis en train de faire le tour. Alors, avant qu'on me pose la question, est-ce que dans ce catalogue, il y a des belles choses? Eh bien, comme tous les ans, comme tous les catalogues, je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Après, comme beaucoup, comme souvent, moi, c'est ce que je dis à mes clientes, il y a des produits, quand on voit les produits, on fait « bon ». Mais il faut les voir plusieurs fois, donc autant vous dire que moi le catalogue il a été déjà feuilleté, je l'ai feuilleté déjà plusieurs fois. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis de repères, j'ai fait ma petite liste, j'ai fait ma précommande. Coucou Christelle, alors précommande ça veut dire que nous en démo on a la chance de pouvoir commander à l'avance, d'accord, on a commandé vendredi. Mais on est comme vous, on est un peu frustré, on ne peut pas commander tout ce qu'on veut. On a une liste définie de produits qu'on veut commander. Donc, il y a aussi un petit peu de frustration vis-à-vis des démos pour ça. Parce qu'il y a des fois, on repère des choses et on se dit, oh punaise, on ne peut pas commander. Donc, on attend aussi la sortie officielle pour pouvoir commander. Mais il faut voir les produits. Certains produits, moi, c'est ce que je dis, certains produits, il faut les voir travailler pour s'apercevoir que oui, c'est un produit qui est sympa, qui a du potentiel, voilà. Les Incolor, je vous les ai montrés sur ma page. Franchement, je ne les ai pas encore vus en vrai, mais bon, je les ai vus sur papier déjà. C'est des couleurs bien peps, hein. Mais j'ai hâte de les voir en vrai, mais à mon avis, ça va être des belles couleurs. Des très très belles couleurs. Alors, on va commencer. Je vais vous retourner la caméra. On va commencer. Alors aujourd'hui, beaucoup de papier. Vous ne pourrez pas finir le projet pendant le live. Je tiens à ça. Ou alors vraiment, celle qui speed un maximum. Mais c'est un projet qui est très simple, qui est très facile. Parce que je me suis dit, il en faut pour tous les goûts. Il faut aussi des projets très très simples. Les boîtes avec les pliages, les découpes, les machins, c'est bien, mais il faut de la simplicité pour faire peur à personne. Donc là, c'est un projet où il faut beaucoup de papier, mais les mesures sont toujours les mêmes. Je ne vous les ai pas mises, les mesures, je ne vous ai pas décrit, je vous ai juste mis le papier qu'il fallait. Et je vais vous montrer que dans tout le papier qu'il vous faut, voilà, je vais vous montrer les chutes qui me restent. Alors, les chutes pour le papier blanc, parce que moi, j'ai pris papier blanc.
Alors, les chutes, mais c'est pas vraiment des chutes parce que c'est quoi? C'est quand même des grandes chutes. Donc, c'est toujours des chutes qu'on peut se servir pour les découpes de la déco. D'accord? Parce que ma déco, bien sûr, n'est pas faite. Donc, vous savez, pour les ma déco, pour les tampons, pour... Voilà, les chutes du papier couleur. Les chutes du DSP, un premier DSP, parce qu'il y a deux DSP différents. D'accord? Et les chutes du deuxième DSP. Sur une page, voilà, sur tout ce que je vous avais donné. Donc, ça fait des chutes, mais c'est des chutes qui sont encore, on peut s'en servir. Hein. C'est des chutes, d'accord. Alors, je retourne la caméra et je vous montre le projet qui est très facile et on se met au travail. Sortez papier si vous avez préparé. Est-ce que il y en a qui vont le faire en même temps que moi? Si oui, sortez papier, coupe papier. Et puis, voilà, c'est ce qu'il vous faudra vraiment aujourd'hui. Et vous ferez le reste. Alors, je vous montre, je vous mets en place. J'ai rien. Il y avait eu un petit bug. Sylvie, tu fais en même temps que moi. Il y a une fin de la vidéo. J'ai eu un petit... mauvaise manip. Bon, vous voyez à moitié. Mon pâte pisse tient plus long. Alors, j'installe tout. Oui, ça tient plus. Il ne tient plus du tout. Alors, j'essaie de vous installer, mais hop, à chaque fois, il retombe. Ah, Christelle, t'es pas en avance. Tu manges. Ben, bonne app. Bon, vous serez un peu tordu. Est-ce que vous... Je vais essayer de... Allez, hop. Alors... Je m'installe. Alors, ça, c'est le code hôtesse du mois d'octobre. Du mois d'octobre, n'importe quoi. Du mois de... Je suis nulle. Je suis perdue. Pas du mois d'octobre. Du mois d'avril. Alors, bah, Lyon, je vais chercher le mois qu'on était. Bon, j'ai plus de retour, là. Je vais vous mettre 30 secondes comme ça. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai l'impression que ça bug. Dites-moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quel bazar c'est? J'ai l'impression que... Dites-moi où vous êtes. Qu'est-ce que vous voyez? C'est bon, vous êtes toujours là. Bon, alors moi, j'ai plus de retour. Donc ça, ça va être... Ti-ti-ti-ti-ti. Oh là là, avril 2022. Bon alors, vous êtes toujours là. Bah écoutez, si ça fonctionne comme ça, je vais essayer. On m'entend, on me voit. Alors moi, je n'ai aucun retour. Alors, comment on va faire? Alors, je vais essayer de scraper debout. Hein. Peut-être que ça reviendra. La technologie de nos jours. Alors, là, vous voyez à l'écran, voilà. Coucou Salem. Vous voyez à l'écran le code hôtesse. Donc, c'est ça du mois d'avril. Hein. C'est ce que je vous disais pour toutes vos commandes en ligne. Qui fait moins de 200 euros, vous le rentrez. Ok. J'enlève. Alors. Est-ce que vous voulez voir le projet? Je suis en train de remettre mon retour en route. Ce serait pas mal si je pouvais vous voir. Ça a l'air de marcher. Bon, voilà. Alors, vous voulez voir le projet? Je vous montre le projet. Alors, vous l'avez à moitié vu. Il n'était pas rangé.
Alors, très simple. Quelque chose vraiment de super simple. Alors, il est fait avec la collection. La collection, je ne sais plus quoi. Là, je l'ai fait avec cette collection-là qui est. Alors, chaussures. Dites-moi. Ouais, je sais, Christelle, tu l'aimes bien cette collection. Composite artistique. D'accord, du beau papier, des belles couleurs, des belles découpes. Il est super. Celui-là, je l'aime bien. C'est une collection que vous retrouverez à la page 32 du catalogue janvier-juin. Couleur des collections d'été tropical. Avec les petits diamants, là, pas les petits diamants. Je les avais sous la main, là. Ah. Les petites pierres. C'est en fait, ça fait des petits cailloux. Parce que vous voyez, hop, c'est un peu flou. Des petits cailloux. Ah oui. Ils sont super riches. Alors, c'est un, on va dire, un mini-album, mais vraiment très simple. Très, très simple. Il est juste tenu comme ça par un ruban qui est collé juste sur la première page. Et on ouvre comme ça. Alors, par contre, c'est un album, comme il y a beaucoup de papier, qui est un album qui est très lourd. Et hop. D'accord? Donc, la couverture. Ouais, le papier est magnifique. Ça, c'est le derrière. Donc, il vous plaît? Ouais, le papier, j'adore. Alors, on démarre. On y va. En fait, on avait déjà eu une petite collection comme ça, avec ce style, ce thème-là. Mais les feuilles étaient beaucoup plus petites. C'était pas du tout... Alors, on y va. On va faire déjà la base, l'accordéon. Donc, pour l'accordéon, il vous faut deux papiers. Je vous avais mis que je ne perds pas le fil. Parce que... Alors, hop. Je me disais, c'était chaud. Mon bureau n'est pas assez grand. Vous croyez? Il vous faut deux papiers. Si je les mets là, il est un petit peu mieux. Il vous faut un papier qui fait... 20, alors, on va prendre celui-là. 21. J'ai fait une erreur. 21 sur 22,5. D'accord, d'habitude, je mets toujours. Et 21 sur 21. Donc, il vous faut. Alors, j'essaye de faire mes projets un maximum avec du papier A4. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'a pas de papier 30,5 par 30,5. Donc, j'essaye. C'est pour ça que des fois, ça fait beaucoup de papier. Alors, 22,5 sur 21 et 21 sur 21. Okay. Donc là, on va plier. Le 21 sur 21, on va le plier à 10,5. Ok. Alors, on plie à 10,5. Je vais mettre comme ça. On plie à 10,5. Alors, curseur gris clair pour plier à 10,5. Celui-là, on ne bouge pas. Après, on regarde bien 21 par 22,5. Les 22,5, on va les mettre le long de ma réglette. On va plier à 10,5. Et à 21. Et à 21. Là, ça c'est une petite. Du coup, ça c'est une petite languette. Il y a 1,5 cm. Alors moi j'ai mis 1,5 cm. Vous pourriez mettre moins. Ça c'est chacun. Vous pouvez biaiser.
je viens. Ça va poser. Et ces deux-là, on va les plier. Alors, là, vous avez votre languette. OK? Votre languette. Alors là, c'est montagne. Hop. Et là, vallée. La languette. Hop. D'accord. Donc, celui-là. Celui-ci, après, c'est plié comme ça, en deux. Et on va coller. Après, peu importe, parce que la languette, elle est cachée avec les décos. OK? Donc, après, soit vous le collez comme ça, soit vous collez comme ça. C'est vous qui voyez. OK? Ça, ces deux parties, vous les collez. On assemble. Comme ça. OK? Alors, on va bien plier. Colle, bien sûr, ma colle n'était pas bouchée. Alors, sans mettre trop de colle, mais le plus au bord possible. Pour celles qui préfèrent travailler avec le double face, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre un double face. Chacune est libre. Alors, comme ça. Comme ça. Allez. Voilà. Ça. Corpillon est déjà fait. La base est faite, la structure est faite. D'accord? Après, maintenant, on va décorer notre album. Et là, c'est toujours, toujours, toujours pareil. Alors, on va déjà... Hop. Tac, 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 tac. Moi, j'ai fait de la préparation avant. Il vous faut... Il vous faut 8 papiers. En fait, là, moi, il est corail, mais là, j'ai pris ma carte soyeuse succulente. 8 papiers de 9,9. Je vais vous dire pourquoi. 9,9 par 20,5. D'habitude, j'enlève 0,5. Donc là, habituellement, j'aurais pu faire 10. 10 par 20,5. D'accord? Mais j'ai pris 9,9. Comme ça, sur un papier A4, vous pouvez découper sur votre papier, votre feuille A4. D'accord? Vous pouvez découper 3 bandes de 9,9 par 20,5. C'est une question d'économie. Alors, franchement, au lieu de découper à 10 au lieu de 9,9, on voit pas la différence, hein. Mais voilà, c'est une question de... C'est pour décorer. Et là, du coup, il vous en faut 8. OK? 8 comme ça. Après, il vous faut, moi, ce que j'ai appelé le DSP2. C'est mon papier imprimé. Mon papier imprimé. Il vous en faut 9,4 par... Celui-là, par 19,5, il vous le faut une fois. C'est pour la page de garde, la couverture, si vous voulez. Après, il vous faut 7 morceaux de 9,4 par 11. D'accord? On ne colle rien pour le moment. Après, il vous faut... Donc, vous avez vu, hein? C'est que des petites pochettes, hein? Mettez pas trop large parce qu'en fait, il n'y a pas de soufflet. Il est vraiment plié, j'ai pas mis 0,5, il n'y a pas de soufflet, donc pas trop d'épaisseur. Okay.
Donc, il vous faudra ça, c'est ça. Après, il va vous falloir du papier blanc, ok, qui fait 9. Je vais le prendre dans le bon sens. 9,9 par 9. Ouais. Il vous en faut 7. Comme ça. Après, il me faut le DSP B. Moi, qui est soyeuse succulente, il vous en faut 7. 9,4 par 8,5. Qu'on va mettre comme ça, qu'on va coller. Et après, le DSP C, qui est le troisième, qui est le DSP, donc imprimé, qui est du papier imprimé, qui fait 8,9 par 8. Ok, et il vous en faut 7. Donc, on collera comme ça. Ok. Bonjour Marianne. Alors, on colle les pochettes déjà. On fait les pochettes. Donc, je vais en coller quelques-unes avec vous. Alors, ça fait comme ça. Comme ça et comme ça. Non. On va faire comme ça. Voilà. Je colle. Ah, j'ai manqué. Ça et ça. Pour vous montrer. Oh, bah alors. Hop. Donc là, on colle. On essaye de coller au plus droit. Est-ce que je suis hors champ? Sûrement. Voilà, et un DSP. Et ça, vous le faites 7 fois. Ok. On fait 7 fois ça. On commence. Je vais coller au moins. Je vais faire la première face, coller le recto avec vous. Le verso, après c'est pareil, le verso. Je le ferai toute seule, mais voilà. C'est, j'ai vraiment fait un truc super simple. Voilà, je voulais. Il en faut pour tous les goûts, pas toujours des choses avec. Des plis un peu complexes, là je coupe pas, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes veulent se lancer et quand elles voient y faire des choses un peu compliquées, enfin, ça leur fait peur, donc autant, on a toutes commencé, voilà, par des choses très... Alors, pareil, c'est un album, vous verrez, que j'ai essayé de faire un maximum d'économies de papier, hein. Alors, ça, c'est la page de présentation. Donc, je peux, à la rigueur, je peux la coller. On va faire la page de présentation. Voilà. Hop, comme ça. Là, il vient là, celui-là. On va coller. Alors, on essaye d'équilibrer. Là, j'ai pris soyeuse succulente. J'essaye d'équilibrer. Là, il manque un petit peu de colle. Mais ouais, des fois, la simplicité, c'est bien aussi. Ça, c'est sûr. Des fois, on veut... Et il y a des fois de faire compliqué. Ben, moi, je trouve qu'on se perd. Des fois, on se perd. Là, on colle donc nos morceaux de 9,9 par 9. Ok, sur tous vos côtés,
Non, j'aurais pas dû. Ben, je vais pas faire comme ça. Je prends une un 9. Ben, c'est plus facile pour moi pour manipuler. Je prends un 9,9 par par combien il fait celui-là. Je suis en train de chercher. 9,9 par 20,5. D'accord? Je prends ce que vous venez de faire là. Ça va nous servir de petite pochette. Ok? De petite pochette. Je mets de la colle, mais vraiment très très fin, en U sur les côtés et le bas de la pochette. Donc ça, c'est le bas de la pochette. Donc hop, je fais un U. Et je mets un trait si vous avez la chance. Mais nous, Stampin' Up, on n'a pas. Un scotch double face très très fin. Utilisez-le si vous préférez. D'accord, mais en mettant comme ça. Et après, je vais coller bord à bord. Là, il n'y a pas de matage, il n'y a rien. Alors, je fais comme ça. Je tapote. Et là, je viens poser. Et ça, vous le faites 3 fois. Bon, je vais quand même coller là. Parce que du coup, j'ai de la colle. On va en mettre de partout. Mais c'est plus facile de déjà d'installer ses pochettes avant de avant d'installer son papier. D'accord? Hop. Et ça, vous le faites 7 fois du coup. Je reviens si j'ai bien pris dans le bon sens parce que c'est encore possible de. Alors. Je suppose que vous avez hâte de découvrir. On ne voit plus les dimensions. Alors, attends, je te les remets. Je colle ça, Sylvie. Alors, ça, c'est la base. Je vais noter. Ça, c'est la base. D'accord? Ça, c'est... Et voilà. Quoi, j'avais noté dans ce sens-là, dans le descriptif, si je ne me trompe pas. Comme ça. Parce que ça, c'est les pochettes. Est-ce que vous les voyez? Oui, ça. 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 Je vais coller là. Ma petite pochette. Oh ben, je te mets, mais si je mets un papier dessus, ça va pas le faire. Je suis... De toute façon, vous retrouverez. Je vous ai quand même que ça soit très facile, je vous ai dessiné un tuto. Hein. Donc demain, tuto papier. C'est pas évident quand on n'est pas à plat. Les pochettes. Hop, voilà. Là maintenant, on peut coller les pochettes. Hop, celui-ci. Alors après, vous refaites la même chose pour le verso de votre, votre mini. Hein. D'accord. Voilà. Après, on reprend notre papier qui fait 9,4. Par 11, donc celui-ci, non, mais c'était ouais, si celui-ci, et moi je le colle là. Alors, je le colle une fois installé. Après, voilà,
pourriez tout coller à plat et mettre sur vos... Et j'aurais pu pour dire, j'ai voulu faire des économies parce que ça sert à rien de le mettre jusqu'en bas, le papier là, de faire la grande longueur. C'est du papier qui est caché. Donc autant. Autant essayer de faire des économies de papier. Je vais pousser un tout petit peu. Je puisse avoir un peu plus de place. Là, le verso. Verso, celui-là, on l'avait travaillé déjà, celui-là, ensemble. C'est le avec la grue, là, je ne sais plus la collection, comment elle s'appelle exactement. Mais... Voilà. Là, ça fait comme ça. Et du coup, derrière, j'ai préparé à l'avance. Et hop, hop, et on peut coller. Ça, c'est vraiment un... Alors, moi, j'ai dit, ça peut servir de mini-album, mais on peut aussi... je pense que ça peut être une carte commune. Comme il y a des petites pochettes, un départ en retraite, un anniversaire ou quoi, chacun met un petit mot et hop, on glisse dans la pochette. Ça peut être ça aussi. Au début, j'avais pensé plus à une carte commune qu'un mini. Alors que, voilà, pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas pensé au mini album tout de suite. J'ai pensé à une carte commune. Hop. Alors, je suis en pleine en pleine bourre pour la préparation de la sortie du nouveau catalogue. Alors, je vous ai mis dans les Incolor que je préparais le Club Incolor. En fait, le Club Incolor, je propose par kit, je propose tous les mois un kit d'une couleur où vous retrouverez papier uni, encreur, Stampin' White, Stampin' Blend et recharge tous les mois pour pendant 5 mois pour avoir les Incolor. Et ça, faut que je fasse mon affiche et que je la mette sur ma page. Vous voyez? Là, le mini est fait. Pas compliqué. Je pourrais le décorer avec ma collection que je n'ai pas sortie. Voilà, avec faire une petite découpe. Alors attention, hein, votre ruban, il est collé, parce que là, j'ai rien prévu. Votre ruban, il est collé juste sur en façade. Si, vous le collez surtout pas là, parce que si vous le collez là, bah déjà, vous pouvez que faire comme ça pour... Si vous voulez vraiment le coller là, ça veut dire qu'il vous faut une super grande longueur de ruban pour pouvoir l'ouvrir. Donc, ça sert à rien. Donc, vous le laissez juste, moi, voilà. Juste en façade, vous faites un nœud. Il n'y a pas besoin de... J'essaye de faire... Là, c'est pareil. Si vous mettez, vous pouvez mettre un petit vœu, mais ne le mettez pas en 3D. Posez-le à plat. Que vous puissiez, que quand vous fermiez, que vous fermez, que ça fasse pas une grosse épaisseur. Si jamais vous voulez vraiment mettre des choses en 3D, à la pliure, là, pensez à rajouter, peut-être pas 5 mm, mais c'est rien 5 mm. Hein. Si
C'est-à-dire que vous pliez, bon, il vous faudra du papier plus grand. C'est-à-dire que vous pliez à 10,5, vous laissez 5 mm, 11, après vous repliez à 11 plus 10,5, donc 20,5, vous laissez 5 mm, et voilà, pour vous faire un petit soufflet, pour que ça fasse un peu plus large si vous voulez mettre des choses en 3D. Mais bon, à la base, moi, ce n'était pas ça. Hein. C'était soit pour glisser des petits mots, soit pour, hop, vous prenez une petite fiche, vous collez une photo, il n'y a rien de... Alors là, moi, j'ai fait des petites fiches qui font 8 cm sur 18 cm de long. Et même, moi, je m'étais dit, celui-ci, là, pour vraiment cacher, c'est pas mettre, c'est mettre une, glisser des petites photos, où vous pourriez, à la rigueur, ne pas faire des petites pochettes si vous voulez pas, mais vous collez carrément le DSP dessus pour faire deux DSP différents. Mais moi, à la base, c'était vraiment pour glisser photo, photo. Là, vous laissez un, pas de photo, mais un petit texte que vous retournez et photo de l'autre côté. Comme ça, quand la personne, vous offrez le mini-album à la personne, là, elle ne découvre pas du tout les photos. Ça va être juste un petit mot qu'elle va ouvrir. Et la première chose, les gens ne vont pas ouvrir. Ils vont tourner, ils vont voir, hop, et ils vont lire. Voilà. Et on glisse. C'est tout simple. C'est vraiment... C'est bon. C'est vraiment le mini, mini, très, très simple. Hein. Il y a tout en simplicité. Il n'y a rien de compliqué à faire. Et là, du coup, je ferai ma petite déco avec, avec ce set-là. D'accord? Toute cette petite collection. Je ferai peut-être pas la grue, parce que j'avais déjà fait la grue. Puis elle est sur, sur mon papier. Non, bah non. Je mettrai peut-être un petit texte, des petites découpes. D'accord? Je trouve qu'elle est... Elle est super cette collection avec, vous savez, avec le papier spécial comment il s'appelle ce papier? Comment il s'appelle? Est-ce que j'ai l'étiquette encore? Je n'ai plus. Est-ce que vous voyez ce papier qui brille? Ah ouais, on le voit. Vous voyez? Il a des petites... c'est dans le catalogue... C'est pas dans l'annuel, hein, c'est dans un catalogue saisonnier. Je ne sais pas la page. Allez, là. Symbole porte-bonheur. D'accord? Je trouve qu'il est super celui-là aussi. Vous vous rappelez, j'avais fait une espèce. Non, c'était un mini-album que j'avais fait avec ça, comme ça. Déjà, avec cette collection, j'avais fait un mini-album. Je ne m'en rappelais même plus. Donc, je vais continuer. Et ce papier-là, il s'appelle... Papier... Nacré. En fait, je trouve qu'il a des... Je sais pas si on va voir de près. Hein, on voit pas de près, on voit pas. Par moment, on voit... Vous voyez les... Bon, il y a le reflet de la lumière, mais vous voyez les paillettes? Là, on voit bien. Qu'il est beau ce papier. Ouais, on voit bien les paillettes là. Comme ça, quelques petites découpes, un petit message, il y a de quoi faire. J'essaye vraiment quand je travaille maintenant de travailler sur une collection complète sur un projet. C'est un défi que je me fais à moi-même. Mais meilleurs vœux par milliers en cette journée. Hein, vous voyez, ça peut être aussi des petits mots. Ça peut être sympa. Deux fleurs, même la grue, je l'aime bien. Il est sympa, oui. Alors, ce ruban est aussi dedans, hein, dans la collection. Voilà, voilà. Je vous disais que les collections... Et je tenais aussi à vous préciser que de plus en plus, nos découpes passent dans la petite machine de découpe. Beaucoup disent, oh, j'ai la grosse machine, je ne vois pas l'intérêt de la petite machine. Eh ben,
je suis démo, oui, voilà. Mais franchement, je me suis offerte la petite machine et ben, la grosse machine, ben, je m'en sers rarement maintenant. Je m'en sers vraiment quand les dailles ne passent pas dans la petite. Mais maintenant, j'ai tout le temps que la petite qui est sur mon bureau, tout le temps. Et je sais qu'il y en a qui l'ont parmi vous, là, et je pense qu'elles ne seront pas déçues de leur achat. Bon, que vous dire de plus? Là, je vais finir de décorer. J'ai un petit peu bourré aujourd'hui, mais hein, visite de numéro 3 au kiné. Non. Oui, la petite. En fait, la petite, au début, moi, je me disais, la petite machine, c'est un complément à la grosse. Et finalement, avec le recul, je me dis, c'est l'inverse. La grosse, c'est un complément. C'est pour vraiment les dies ou les classeurs d'embossage qui ne passent pas. Mais maintenant, sur les catalogues, tous les produits, une grosse, grosse partie des produits de nos catalogues passent dans la petite. Donc, je dirais que c'est vraiment l'inverse. Que la grosse vient en complément. Donc, maintenant, à vous de réfléchir. Donc, je vais retourner la caméra. Je suis pressée de voir vos projets. Ouais, on hésite. Mais moi, la première, j'ai hésité à l'acheter, la petite. Longtemps, j'ai hésité. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Hein. Mais alors, franchement, une fois qu'on y a pris, qu'on l'a testé, on s'en passerait pas. Hein. C'est tellement agréable. Alors, hop, vous êtes dans ma main. Voilà. Alors, on n'oublie pas. On n'oublie pas le catalogue annuel qui se termine bah, dans quoi? On est le 6. Donc, il se termine, on va dire, à peine un mois, le catalogue annuel. Donc, alors, la petite machine, elle est bien quand on part en vacances. Elle prend pas beaucoup de place. Nickel. Ça, c'est super. Donc, là, le catalogue annuel 2021-2022 se termine là, début mai. Le prochain, ben voilà, il attaque le 3 mai. Si jamais vous voulez, voilà, si vous n'avez pas de démo et que vous voulez un catalogue, on peut s'arranger, n'hésitez pas à m'appeler, hein, me contacter, ça me fera un plaisir. J'ai un problème sur mon retour là. Et puis, ben, que vous dire de plus? Ben, je pense que rien, parce que tout est dit. Encore des jolies promos, donc, mais faites un tour sur le site aussi qui est pas mal, hein. Allez-y. Et ben, je finis de préparer la venue du prochain catalogue, hein, pour mes clientes, d'accord, pour mes clientes attitrées, on va dire, mes clientes, mes fidèles. Parce que la fidélité, c'est comme partout, ça paye. Hein. Ben, quoi. De mon côté, j'essaye de, voilà, de gâter un petit peu mes clientes fidèles. Je vais vous laisser, je vais vous dire ben, à la semaine prochaine. Alors, je suis sûre de moi que pendant, donc, mercredi prochain, oui, live. Mais mercredi d'après, qu'on doit être le 20, un truc comme ça, 20 ou 21, je ne sais plus. Donc, mercredi 20 et mercredi 27, il n'y aura pas de live, ça c'est sûr. Bon, le 27, je suis en vacances, mais le 20, la semaine d'avant, je ne suis pas dispo. Bon, 2 semaines, allez. On a le droit de lever le pied un peu. Alors, je vous fais des bisous. Je vous mets demain le tuto papier sur ma page. N'hésitez pas aussi, je voulais vous préciser, n'hésitez pas. J'ai ma chaîne YouTube au même nom que ma chaîne, de ma page Facebook. Vous retrouvez tous les tutos, tous les lives, d'accord ? Et vous les retrouvez beaucoup plus facilement que sur Facebook. Parce que vous allez sur ma chaîne YouTube, Craftscrap de Steph, et vous verrez que, comment, il y a toutes les photos. Donc, vous voyez tout de suite. Que sur ma page
ma page, on ne voit pas forcément les photos, on voit moi en premier, quoi. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube. Quand vous regardez des petites les vidéos, mettez-moi des petits pouces bleus. Comme ça, au moins, je vois qui est passé par là. Mettez même un petit commentaire, je vois qui est passé. Sylvie, qu'est-ce qu'elle me dit, Sylvie? Je n'ai pas vu. Sylvie, elle m'a mis compliqué à suivre quand les découpes ne sont pas faites. Ah oui, ça, c'est sûr. Je le savais que les découpes, que ça allait être compliqué. Mais il y avait tellement de papier, j'avais peur de vous perdre, que vous perdiez dans les découpes. Donc, voilà. Je préférais que vous puissiez voir comment sont, à quoi correspondent quelles découpes et tout. Parce que quand il y a beaucoup de découpes, il y a des fois, on s'y perd. On découpe, mais on ne sait pas quel projet on va faire. Donc, des fois, on n'est pas forcément sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, pour ce live, vous mettre le papier qu'il fallait. Là, vous avez les découpes. Demain, vous retrouvez le tuto sur ma page. Et comme ça, tout roulera. Je ne m'inquiète pas pour toi, Sylvie. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Oh oui, je vais profiter de mes vacances. Bon, ça va être intense, mes vacances. Mais ça va quand même être des bonnes vacances. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Profitez de votre météo. Chez nous, soleil a disparu. Je ne sais pas où il est parti, mais il va revenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et patientez, patientez, le catalogue arrive bientôt. Bisous, bisous à toutes et merci de votre fidélité, c'est toujours sympa. Merci, à plus à tout le monde.